Salut tout le monde, c'est Olivier, bienvenue sur Nutrition Style. L'intérieur de l'intestin humain est un écosystème appelé le microbiote intestinal. Ce microbiote, qui est composé de plus de bactéries qu'il n'y a de cellules humaines dans tout notre corps, est à l'origine de la production quotidienne de vitamines, de graisses et même d'hormones. Le microbiote a ainsi une telle influence sur notre santé, notre poids et notre humeur, qu'il est de plus en plus considéré comme un organe à part entière. Découvrons à travers les résultats d'études scientifiques récentes qui sont parmi nos innombrables passagers microscopiques les mauvaises bactéries qui nous font grossir et dégradent notre santé et les bonnes bactéries qui nous protègent contre l'obésité et les maladies chroniques. Mais voyons aussi comment notre alimentation de tous les jours influence ces bactéries. Les scientifiques ont récemment été stupéfaits de découvrir que malgré l'existence de milliers d'espèces de bactéries intestinales différentes, on ne retrouve à travers le monde que deux grandes catégories de microbiotes intestinaux, appelés entérotypes. On distingue les personnes dont l'entérotype est caractérisé par une importante proportion de bactéries du genre Bacteroides, de celles ayant un entérotype avec une majorité de bactéries du genre Prevotella. Peu importe dans quel pays nous vivons, que nous soyons jeunes ou vieux, un homme ou une femme, ce qui détermine notre entérotype et son impact sur notre poids et notre santé, c'est ce que nous mangeons. En effet, si notre intestin est un écosystème, ce que nous mangeons influence les espèces de bactéries qui seront capables d'y survivre et de s'y reproduire. Voici les résultats de recherches scientifiques montrant quels nutriments sont associés aux entérotypes Prevotella et Bacteroides, comme vous pouvez le voir très clairement ici. Ou pas en fait. Analysons plutôt la version simplifiée. Rouge signifie que le nutriment est positivement associé à l'entérotype, et bleu signifie une association inverse. Vous voyez que les nutriments caractéristiques des aliments animaux, comme les protéines animales, les graisses animales dont le cholestérol mais aussi la choline ou encore le lactose, sont associés à l'entérotype Bacteroides et inversement associés à l'entérotype Prevotella. Alors que les nutriments caractéristiques des aliments végétaux, comme les glucides et les fibres, sont positivement associés à l'entérotype Prevotella et inversement associés à l'entérotype Bacteroides. Conformément à ces données, l'analyse des microbiotes intestinaux d'enfants occidentaux, consommant une alimentation riche en protéines et en graisses animales, en aliments sucrés et raffinés et pauvres en végétaux complets, révèle toujours des entérotypes Bacteroides. Au contraire, les enfants d'un petit village isolé du Burkina Faso qui consomment une alimentation proche de celle de nos ancêtres des débuts de l'agriculture il y a 10 000 ans, c'est-à-dire riche en céréales complètes, en légumineuses, en légumes et donc riche en fibres, présentent toujours l'entérotype Prevotella. Cet entérotype Prevotella est également caractéristique des microbiotes intestinaux, des végétaliens et des végétariens qui consomment aussi exclusivement ou en majorité des végétaux. Mais reculons encore davantage dans le temps pour étudier les Hadza de Tanzanie, une population de chasseurs-cueilleurs qui consomme une alimentation proche de celle de nos ancêtres du Paléolithique. Ils ne mangent aucun aliment qui soit issu ni de l'élevage ni de l'agriculture et consomment donc exclusivement des aliments qu'ils ont récoltés directement dans la nature. Et contrairement aux stéréotypes souvent véhiculés, nos ancêtres n'étaient pas de gros consommateurs de viande. En partie car cette source alimentaire n'était pas disponible en quantité suffisante toute l'année et que les succès de la chasse n'étaient pas garantis. Ainsi, l'alimentation de nos ancêtres du Paléolithique et des Hadza de Tanzanie est principalement composée d'aliments végétaux complets, tubercules, feuilles et fruits. Et donc, sans surprise, leur microbiote intestinal est caractérisé par une importante proportion de bactéries du genre Prevotella. La supériorité de l'entérotype Prevotella de nos ancêtres sur l'entérotype Bacteroides des civilisations occidentales contemporaines est débattable. Cependant, plusieurs arguments supportent cette idée. Le plus important d'entre eux est certainement le constat que les individus des sociétés ancestrales, tels que les natifs d'Afrique rurale, sont davantage protégés contre les maladies civilisationnelles, telles que les maladies cardio- et cérébrovasculaires, les cancers, le diabète de type 2, l'obésité, mais aussi l'asthme, les allergies et autres maladies inflammatoires, qui sont par ailleurs en constante augmentation en Occident. Il est tout à fait certain que cette protection n'est pas le résultat d'une génétique humaine supérieure, car les Afro-Américains présentent par exemple un risque
65 fois plus élevé de développer un cancer du côlon, ou encore un risque plus de 100 fois supérieur de mourir d'une maladie cardiovasculaire, par rapport à leurs homologues africains natifs ayant pourtant la même génétique. Si la génétique humaine change très lentement, la génétique de notre microbiote intestinal s'adapte par contre rapidement à notre alimentation, et peut donc vite changer notre profil de santé. Ainsi, des études scientifiques ont documenté que passer d'une alimentation riche en protéines et en graisses animales à une alimentation riche en végétaux complets augmente significativement la proportion des bactéries du genre Prevotella et diminue la proportion des bactéroïdes, de même que la proportion des bactéries pathogènes telles que les Escherichia et les Salmonella. Après seulement 24 heures, les effets positifs de ces changements alimentaires sont déjà détectables, comme une augmentation de 400% de l'évacuation de molécules toxiques, telles que les acides biliaires secondaires. Et voyez ici en brun, la diminution de l'inflammation au niveau intestinal. Alors qu'une augmentation de cette inflammation s'observe lors du passage d'une alimentation riche en végétaux complets à une alimentation riche en aliments animaux. Ok, des effets positifs à court terme, c'est déjà bien. Mais voyons comment votre alimentation affecte à long terme, à travers votre microbiote intestinal, votre poids et votre risque de maladie cardiovasculaire, la première cause de mortalité au monde. Lorsque vous mangez des végétaux complets riches en fibres, vous bénéficiez déjà d'effets positifs directs, comme une diminution de l'absorption des macronutriments énergétiques, un faible apport calorique, une diminution de la vitesse de vidange de votre estomac et une augmentation de votre satiété, contribuant au maintien d'un poids équilibré. Ensuite, vous bénéficiez des effets indirects des fibres, qui nourrissent les bonnes bactéries de votre microbiote. Des bactéries qui, en retour, vont diminuer la formation d'acides biliaires secondaires toxiques, vont produire des acides gras à chaîne courte, qui sont des graisses dont se nourrissent vos cellules intestinales, favorisant leur bon fonctionnement et leur production d'hormones. Tous ces effets combinés vont vous permettre de réduire votre mauvais cholestérol, de diminuer l'inflammation dans votre corps, de perdre du poids, d'améliorer votre utilisation du glucose, de diminuer votre risque de diabète et votre tension artérielle, contribuant à vous protéger contre les maladies cardiovasculaires. Ainsi, pour chaque portion de 7 g de fibres que vous consommez quotidiennement, vous bénéficiez d'une réduction de votre risque cardiovasculaire de 9%. Mais que se passe-t-il maintenant si vous ne mangez pas assez de végétaux complets et trop d'aliments animaux et d'aliments raffinés? Vous aurez un apport calorique important, une haute absorption des macronutriments énergétiques, une vidange rapide de votre estomac et une prolongation de la faim, favorisant ainsi une prise de poids. Vous affamerez vos bonnes bactéries qui ne rempliront plus leur rôle protecteur. Il y aura donc une production accrue d'acides biliaires secondaires, une dégradation de votre santé intestinale et donc une chute de votre production hormonale, une augmentation de l'inflammation dans votre corps, favorisant ainsi une prise de poids, une augmentation de votre mauvais cholestérol renforcée par un apport via les aliments animaux, une mauvaise utilisation du glucose, une augmentation de votre risque de diabète et de votre tension artérielle, augmentant ainsi votre risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire. L'étude fine du microbiote humain et des entérotypes nous réserve certainement à l'avenir de belles découvertes, notamment concernant l'impact spécifique sur notre poids et notre santé de chacune des milliers d'espèces de bactéries pouvant vivre dans notre intestin. Mais les résultats des recherches de ces dernières années révèlent déjà que nous pouvons séparer les microbiotes humains en deux catégories. L'entérotype bactéroïdes des occidentaux, consommant une large proportion d'aliments animaux et d'aliments raffinés, et l'entérotype Prevotella de nos ancêtres, des végétariens et des végétaliens, consommant une large proportion d'aliments végétaux. Si vous désirez être en bonne santé et le rester, mais aussi rester mince ou maigrir, et je ne parle pas seulement ici de perdre du poids que vous reprendrez peu de temps après, comme avec un régime, mais bien d'obtenir durablement un poids équilibré. Si c'est votre souhait, alors vous devriez prendre soin de vos bonnes bactéries, en les nourrissant avec suffisamment de fibres pour qu'elles vous le rendent bien. Mangez assez de fruits et de légumes, au plus, au mieux. Incorporez à vos repas des légumineuses et des oléagineuses si ce n'est pas encore le cas. Remplacez les pâtes, le riz, le pain blanc par leurs homologues complets. Et limitez au maximum la consommation d'aliments animaux et de tous les autres aliments raffinés.
J'espère que cette entrée en matière sur le microbiote intestinal, ses impacts sur le poids et la santé et les liens avec l'alimentation vous auront passionné autant que moi, et que ces informations vous seront utiles pour améliorer votre vie. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car de nombreuses autres vidéos sur le microbiote, l'alimentation et la nutrition sont à venir. Vous pouvez d'ailleurs voter tout de suite dans les commentaires pour le sujet d'une prochaine vidéo parmi les thèmes suivants. Booster votre système immunitaire, quels aliments devez-vous manger? Les graines de lin, un super aliment, pourquoi devriez-vous en consommer tous les jours? Ou enfin, quels aliments vous permettent d'augmenter votre absorption du fer? Merci de liker et de partager la vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux et si vous désirez aider au développement de Nutrition Style, vous pouvez le faire via la page Tipeee. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Bon appétit à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la nutrition et la diététique.